parents, le calvaire de parents endeuillés, par le décès accidentel de leur seul et unique fils, confronté à la force surnaturelle résidant dans les murs de leur nouvelle maison, We Are Still Here s'illustre en étonnant et délicieux film de hantise, rigoureusement anachronique, qui n'hésite pas à s'enfoncer dans les contrées cauchemardesques, à la lisière de l'apocalypse et parfois même de l'absurde de Lucio Fulci et ses revenants pourrissants, quelque part entre les chairs calcinées d'un passé tragique, les cendres incandescentes d'une mythologie fascinante, presque lovecraftienne, et le retour douloureux à la poussière des êtres aimés. L'ambiance est étrange, pesante, soutenue par un score hypnotique et langoureux, et rappelle indéniablement, dans sa démarche référentielle et déférente, la meilleure œuvre de Ty West, The House of the Devil. Comme dans ce dernier, l'angoisse suscitée par les deux premiers actes, adoptant volontairement un rythme lancinant, laisse place à un troisième, plus soutenu. We Are Still Here propose, dès lors, un retour brutal et épique au fantastique italien, proposant des fulgurances gore jaillissant tout droit de la maison près du cimetière, de l'au-delà, ou encore de frayeurs, tout en convoquant les chiens de paille de Peckinpah dans un assaut cathartique, un jeu de massacre assez inédit et jouissif. Et, cerise sur le gâteau, une très belle poésie macabre se dégage du final, sombre et mélancolique. Le tout témoigne d'une vraie puissance diégétique dans la plus pure tradition des auteurs précités. Le premier film de Ted Geoghegan, d'une générosité touchante, est une petite perle brûlant vivement celui qui s'en approche de trop près, irrémédiablement attiré par son éclat écarlate, glauque et rétro. À découvrir donc de toute urgence, mais prenez garde.